sociale avec le 16e jour de grève à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Depuis hier, les locaux de Bry-sur-Marne sont occupés. Il y a moins d'une heure encore, la grève a été reconduite par l'intersyndicale CGT, CFDT, CFTC et non syndiqués. Pauvre Frédéric Rossif, lui qui a tant contribué à remplir les étagères de l'INA, il va être privé, dommage posthume. Depuis hier, le robinet à image de l'INA est fermé, la mémoire de la télévision française est absente, muette. C'est le 16e jour de conflit à l'Institut national de l'audiovisuel. Il y a un instant, peu avant midi, la grève a été reconduite au cours de l'Assemblée générale. Depuis hier, donc, occupation des locaux, blocage de toutes les activités, archivage, formation professionnelle, production, recherche, le conflit se durcit. À l'image de la grève de Radio France, c'est toutes les catégories de personnel qui ont posé des revendications salariales. Une augmentation de 500 francs et un rattrapage du pouvoir d'achat. Reçu par Georges Filliou, le président de l'INA, la délégation intersyndicale se serait vue proposer uniquement des primes catégorielles. Nouvelle assemblée générale des grévistes, demain à 11h.